Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast lecture, dans lequel nous allons parler, eh bien, d'événements littéraires, puisque comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai assisté à un événement littéraire euh, hier qui était... trop bien. <laughs> Trop, trop bien On va parler de livres reçus, parce que j'en ai reçu quelques-uns. Et puis, euh, c'est euh, certains seront aussi en lien avec l'événement d'hier. On parlera des livres que j'ai pu lire. Et puis, si on a le temps, livres en cours et livres à venir. Voilà Donc, c'est parti Et on commence, comme je vous le dis, avec l'événement littéraire qui a eu lieu hier. Alors, cet événement littéraire, c'était pour la rentrée littéraire de chez Robert Laffont. Alors, c'est la première fois que j'assiste à une rentrée littéraire. Comme vous le savez, euh, je suis sur Instagram depuis six ans, mais <laughs> je partageais principalement euh, mes tricots, un peu mes projets de couture. Il y avait un côté très créatif dans mon compte Instagram. Et depuis deux, trois ans, je, je partage un petit peu plus euh, sur mes lectures. En fait, euh, ça a dû commencer à, la, à peu près à la dernière édition de Saint-Maurent-en-Poche, mais... Je les partageais un petit peu, mais pas, pas trop. <laughs> et j'ai commencé à davantage partager tout ça euh, il y a deux ans. Et puis bah il y a deux ans, il n'y avait, avait plus de salon, il n'y avait plus grand chose. Euh, voilà. Et là, euh, ça a été un plaisir pour moi de... de de participer à cet événement. Je remercie énormément, énormément Robert Laffont de, de m'avoir invité, parce que c'est une expérience juste incroyable. Euh, on était environ 200 avec avec beaucoup de, de journalistes, avec beaucoup de libraires, euh, avec des personnes de la maison d'édition, etc. Et puis, il y avait dix euh, blogueurs, je crois, enfin, blogueurs, influenceurs, postagrameurs, enfin, vous voyez, tout, tout ça. Et... Euh, et voilà, c'était incroyable, enfin euh, <laughs> vraiment, c'était assez fou. Donc il y avait les auteurs qui sortent des livres pour cette rentrée littéraire chez Robert Laffont. Chaque auteur a, a parlé un peu de son livre, euh, voilà, un, un petit résumé. Ils ont répondu à quelques questions et c'était alors moi je suis assez influençable en fait quand un auteur parle de son livre, il parle souvent de son livre avec passion, c'est normal, c'est son bébé. Donc euh, il va le défendre mais euh, je je, je sens pas un côté commercial en fait. Enfin, après, je suis peut-être naïve aussi, mais il y a un côté. Enfin, voilà, l'auteur, il a passé du temps à écrire son histoire et après, quand il la résume, bah, c'est une histoire qui lui tient à cœur et, et, et du coup, il va en parler avec passion et cette passion hum, donne envie euh, vraiment de, de découvrir ce livre. Donc, euh, donc voilà, les, les quatre auteurs présents euh, ont présenté chacun leur livre et, et, et les quatre livres m'ont beaucoup attiré Alors, je peut-être vous les Maintenant, ce sera déjà plus concret, je pense. En fait, en partant, on nous a donné un, un tote bag. Voilà qui, ici, est vide, mais qui était euh, rempli. Euh, il y avait euh, notamment les fiches, les fiches des, des livres. Alors, euh, il y a quatre livres, il y a trois fiches, mais il y a une, une petite lettre en fait. Voilà, donc ça c'est en lien avec le nouveau livre de Tatiana, Ronay qui, Tatiana de Rona qui sort le 15 septembre et donc euh, ça a été euh, présenté sous la forme d'une lettre en fait, ce que, ce que j'ai trouvé assez, euh, assez original parce que là ça reprend la, la couverture du livre. Il y avait dans le tote bag donc ces, ces fiches là, mais il y avait également les épreuves non corrigées des, des quatre livres. Donc il y a celui de Tatiana de Ronet. Donc ce livre s'appelle euh, Nous irons mieux demain et en fait ce qui est écrit euh, vraiment sur euh, sur la fin là, Nous irons mieux demain retrace le chemin d'une jeune femme fragile vers l'acceptation de soi, vers sa liberté. Il fait aussi écho aux derniers mots d'Émile Zola, le passager clandestin de ce roman. Voilà. Je, je n'ai jamais lu de livre de Tatiana de mais j'aimerais vraiment y remédier. Et ça fait depuis longtemps, longtemps que ça me, que ça me travaille, euh, depuis la dernière fois que j'avais été à Saint-Maur-en-Poche, euh, en fait, il y avait plein de livres de Tatiana de Je me disais, non, faut, faut vraiment que je la découvre. Et puis voilà, après, il euh, n'y a pas eu l'occasion, on va dire. Et maintenant que je l'ai rencontrée et que j'ai les preuves non corrigées de, de son livre qui sortira pour la rentrée littéraire mi-septembre, on va y aller. Hein <laughs> on va y aller, on va découvrir ça, euh, donc euh, avec plaisir. Enfin, je vous dis, les, les... de toute façon, les présentations ont été, euh, été euh, alléchantes, <laughs> donnaient vraiment bien envie de d'en de, savoir un peu plus. Euh, alors, il y a Philippe Villain qui a présenté La malédiction de la Madone. voici les épreuves non corrigées. Donc ce sera un livre plutôt fin. Euh, plutôt fin, oui, bah oui, effectivement, il fait 175 pages, donc plutôt fin. Alors, dans ce livre, euh, on va suivre Poupetta, et, euh, donc Poupetta pour petite poupée, euh, qui a grandi à Naples dans les années 1950, et en fait, c'est inspiré de faits réels. Euh, donc, ce, ce livre retrace le portrait fidèle et fascinant de cette passionnaria autant vénéré que redouté, mais également la peinture d'une ville à feu et à sang. Je connaissais pas du tout Philippe Villain, mais là quand on regarde, auteur de nombreux romans, comme Paris l'après-midi avec le prix François Mauriac, passant qui a été adapté au cinéma, La femme infidèle le prix Jean Frostier, euh, Un matin d'hiver, il a fait aussi des, euh, des essais remarqués, il dirige la collection Narratori, Francesi, Com Temporanei aux éditions grémésées à Rome. Voilà. Bon, donc voilà en tout cas pour ce livre. Ensuite euh, on a on avait la suédoise Anne Hélène Leistadius euh, qui a présenté son livre Stold Stold euh, ah, il il m'a beaucoup tentée. Enfin, euh, ouais, euh, vraiment, euh, quand elle en a parlé, vous savez que j'aime bien euh, les, les polars nordiques. Et, euh, bon, c'est pas tout à fait le style de celui-ci, mais vraiment ça m'a ça donné bien envie d'en savoir plus. Donc le, ce livre, stude voici l'épreuve non corrigée. Et donc, euh, alors, ce livre retrace la lutte d'une jeune femme pour défendre son héritage et sa place dans une société où la xénophobie fait loi et dans laquelle les idées modernes se heurtent à une culture façonnée par les traditions et la peur. Voilà. Et c'est indiqué que c'est un, c'est à la fois un page-turner palpitant et une histoire dont on se souviendra euh, longtemps. En fait, euh, donc là, l'autrice est, est également journaliste suédoise d'origine sami et torné la torné et justement, on va s'intéresser dans ce livre, notamment, au peuple sami. Alors, pour le coup, c'est un livre qui est un peu plus épais, 500, 550 pages environ. Euh, mais, euh, mais ouais, il me dit plutôt bien. Il me dit plutôt bien. Euh, voilà. Ensuite, le dernier livre qui nous a été présenté. La couverture est très belle, même si ce sont des épreuves non corrigées. Franchement, c'est trop beau. Euh, L'air était tout en feu de Camille Pascal. Euh, alors, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit au niveau des, des dates de sortie. Parce que je viens de voir que ce n'est pas la même date que pour le Tatiana de René. Puisqu'en fait, ces trois-là sortiront le 25 août. Dessous. Voilà, les trois... Ces trois livres-là sortiront le 25 août, contrairement à Tatiana Ronet qui sortira le 15 septembre. Ça c'est une information qui est très importante pour moi, qui commence à regarder pour arranger mon planning lecture de l'été. Et vu que je vais faire partie de plusieurs jurys, je suis toujours lectrice Charleston et la rentrée littéraire promet d'être au top. Euh, voilà, alors que je, que je m'organise bien pour lire les livres avant leur sortie. Donc magnifique couverture de ces épreuves non corrigées. Donc ça s'appelle L'heure était tout en feu et on est sur un livre historique. Et, euh, et donc dans ce livre, eh bien, euh, on est en, en avril 1718, il y a un incendie et, euh, et on va suivre notamment euh, l'un des, des bâtards euh, de Louis XIV et notamment la femme de, de, de l'aîné des bâtards. Et, euh, et voilà va y avoir va y avoir des choses des secrets des complots etc c'est euh, c'est c'est de l'histoire hein. enfin il y a, y a rien de romancé euh, et là c'est indiqué à la fin du, de la quatrième de couverture à travers les méandres des intrigues politiques les haines familiales et une galerie de portraits tous plus extravagants les uns que les autres Camille Pascal fait renaître avec virtuosité le temps enflammé et haletant de la régence voilà. Et vous voyez, je suis pas très roman historique et tout, je peux même pas vous dire que c'est une période qui m'attire extrêmement et en fait euh, bah l'auteur en a vachement bien parlé <laughs> et ça donne vraiment envie d'en de, de, savoir davantage et donc ce livre fait 300 300 340 pages. Quoi. Voilà, donc euh, vraiment c'était c'était très chouette de pouvoir euh, bah, écouter les auteurs euh, parler de leurs livres. On était euh, sur euh, sur un petit bateau euh, qui ne bougeait pas lors de la présentation, enfin qui ne bougeait pas, qui était sur l'eau quoi, mais euh, en tout cas euh, qui était, euh, je sais pas comment on dit, euh, à quai, euh, voilà. <laughs> et, euh, et donc on a eu la présentation des auteurs et tout. Et puis après euh, ceux qui souhaitaient euh, sont partis. Et puis on a fait euh, euh, bah, comme du bateau-mouche euh, sur euh, sur la scène. En plus, c'était juste à côté de la Tour Eiffel et euh, on a fait un petit tour. Et puis euh, voilà, il y avait il euh, y avait du champagne, il euh, y avait euh, des petits fours, il y avait du foie gras. C'était, ouais, c'était assez magique en fait. Ça fait partie vraiment des événements dont je me souviendrai parce que. Euh... Bah parce que c'était juste juste génial voilà donc thème de la rentrée littéraire et eh bien c'est euh, voyage voilà d'où euh, d'où la croisière euh, d'où euh, les, les motifs et puis ça c'est en lien avec euh, les quatre livres qui nous ont été euh, présentés voilà pour cet événement alors autant j'en ai loupé euh, ces derniers temps autant celui ci j'ai eu la chance de pouvoir y aller je suis très contente et, et, et alors euh, on est vraiment bien au-delà de, de ce à quoi je m'attendais. Maintenant, on va passer aux livres que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu euh, des... Hop, des livres de, de, de chez Jungle avec des cartes. Notamment celui-ci, c'est Euseb. Euseb, le chat qui rêvait de devenir un super-héros. Alors, on en a d'autres dans cette collection-là. Euh, je me demande même si on ne l'avait pas pris à Saint-Maur-en-Poche. Euh... Ah, c'est ça. Oui, oui. oui. Euh... Ah, J'ai un doute. À Saint-Maur-en-Poche ou c'était au... au Salon du Livre euh, Enfin, quoi qu'il en soit, c'était en 2019. Et en fait, on a celui-ci déjà à la maison euh, Le Doudou qui n'aimait pas les enfants. Et voilà, la collection, elle est assez rigolote. Les. Les illustrations sont assez rigolotes, <laughs> assez vives et tout. Et euh, voilà. Donc ça c'est pour ma dernière. On a également reçu euh, celui-ci, ce qu'on choisit, qui est assez épais. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Euh, donc, euh, donc là on a une fille qui fait sa rentrée en en première et euh, voilà il va se passer euh, des petites choses donc, donc voilà et puis celui-ci euh, néo le tome 3 donc c'est d'après le, le livre de Michel Bussy et le tome 3 c'est les deux châteaux que je suis pas habituée aux bandes dessinées parce que je suis pas très habituée à vous montrer ça voilà pour, euh, pour ce qu'on a reçu de chez Jungle. Euh, alors, sinon, j'ai reçu ce livre de chez Harper Collins, l'autre femme de Marie Kubica. Mieux vaut entretenir des relations de bon voisinage. Je voulais la quatrième de couverture. Sadie et Will Faust viennent à peine de quitter Chicago avec leurs deux enfants pour une petite île perdue au large du Maine que leur voisine, Morgan Baines, est retrouvée assassinée chez elle. Le meurtre secoue la communauté insulaire, surtout Sadie, qui est bouleversée par le drame. Tandis que les soupçons de l'agent Berg, le flic local, s'orientent vers la famille fraîchement débarquée sur l'île battue par les tempêtes, Sadie s'enfonce peu à peu dans une quête obsessionnelle, hantée par le besoin de découvrir ce qui est vraiment arrivé mais plus les indices s'accumulent, plus l'évidence s'impose, si la vérité fait un jour surface, elle risque de Perdre, voilà, et euh, l'autrice de la fille d'avant a écrit « Brillant et imprévisible ». 500 pages, hein, mais euh, ça a l'air pas mal, hein. ça a l'air pas mal du tout. Et puis alors, j'ai reçu ce livre de, des éditions City. Alors, je, je, je reste surprise de recevoir des livres de chez City alors que je ne demande plus rien. Euh, « Mortel Mascarade » de Verity Bright. Euh, dans la collection Les aventures de Lady Eleanor Swift, euh, qui est sortie le 8 juin. Et je ne sais pas si c'est un tome 1, parce qu'il me semble que j'avais déjà reçu un tome 1 que j'avais pas demandé non plus. Et voilà, je, je suis un peu perdue euh, sur euh, les réceptions. Euh... Les réceptions City. Euh, oui, c'est ça. J'avais reçu celui-ci, Meurtre à l'anglaise. Mais là, j'ai trop de mystery Et donc, euh, donc voilà. Et puis, de toute façon, je voulais, je voulais lever le pied avec City. Et... Voilà. Donc, euh, j'ai reçu ça, en tout cas. Donc, ça, c'est pour les livres que j'ai reçus. Maintenant, on va parler des livres que j'ai lus. <laughs> Glacé, Gardien du Phare. Alors, ça, c'est un livre que j'ai écouté euh, dans le cadre du Prix du Jury Audio Libre. Et je vous avais dit que je vous étalerais ça sur, sur plusieurs épisodes de podcast. Euh, surtout que enfin, je trouve que j'écoute un peu moins de livres audio en ce moment. Euh, C'est vrai que des fois je, je suis limite à deux par semaine, un hein, deux par semaine, alors que là euh, non, je suis à trois par mois. Bon. Euh, donc, euh, donc les gardiens du phare, alors c'était assez particulier. Je, je, je... C'était pas un coup de cœur. Euh, dans ce livre, on... dans ce livre, en fait, on, on va suivre des gardiens d'un phare. Euh, il s'est passé quelque chose en 1972. On n'est euh, pas très loin de la, de la côte de... de Cornouailles et euh, voilà, il n'y a, a plus de nouvelles de... De... des gardiens du phare et il euh, y a un bateau qui va rejoindre le phare et qui découvre le phare. Euh bah vite quoi euh, voilà et on on sait pas du tout ce qui s'est passé et vingt ans plus tard il y a euh, euh, pff c'est pas une enquête qui est faite, enfin, si un peu, euh, en tout cas, euh, une personne essaye un peu de gratter euh, ce, qui, ce qui a pu se passer, et va interroger les proches des gardiens euh, pour en savoir davantage, et on est en fait sur une double temporalité, parce que on est à la fois, en 1972, avec les gardiens, on va suivre, enfin, ouais, double temporalité et roman choral, parce qu'en 1972, on va suivre chacun des gardiens, on, pour connaître leur passé, ce qui se passe, et compagnie, et puis, euh, 20 plus tard, on va suivre un peu les différents personnages. C'est lu par deux comédiens on a Christine Braconnier et Guillaume Orza. C'est principalement lu par Guillaume Orza, Orza, je sais pas comment on dit, euh, un peu moins par Christine Braconnier qui va venir avec quelques touches. Euh, J'utilise jamais les bons mots. <laughs> Mais bref, vous, vous comprenez, c'est un livre que j'ai écouté avec une vitesse plus importante. Comme vous le savez, mes livres audio, j'ai tendance à les accélérer. J'ai beaucoup de mal à rester à la vitesse 1 parce que je trouve que euh, c'est trop lent en fait. Et euh, je m'étais rendu compte euh, en faisant l'exercice avec des livres papier que j'avais à côté que je lisais beaucoup plus vite en fait mon livre papier que mon livre audio y compris quand mon livre audio est à une vitesse 1,2 1,3 etc et, euh, et au final si j'arrive à lire vite ça veut dire aussi que j'arrive vite à analyser quelque part enfin voilà donc ça ça m'a motivé à tenter des vitesses un petit peu plus importantes et euh, et et donc, faut trouver l'équilibre entre une voix qui fait et euh, le fait que ce soit, enfin, euh, um, compréhensible sans que ce soit trop euh, trop vite ou pas assez vite, etc. Là, c'est la première fois que j'ai écouté un livre audio avec une vitesse de 1,7 voire 1,8 parce que euh, pour moi, le rythme était vraiment trop lent. Et avec l'histoire, euh, ça m'aurait un peu euh, un peu plombé quoi, enfin je sais pas comment dire. Donc, euh, donc voilà, j'ai écouté un peu plus vite et, euh, et ça m'a été davantage au niveau du rythme. Mais à côté de ça, euh, c'est pas, pas parce que le, le livre je l'ai écouté de façon plus vite que c'est un coup de cœur. <laughs> c'est assez indépendant, on est d'accord, mais euh, ça m'a permis en tout cas d'avoir au moins la, la, bonne, la bonne vitesse d'écoute, celle qui me correspondait bien. Voilà. Donc euh, bon, j'ai pas, je peux pas vous dire que je suis particulièrement attachée au phare Bon, euh, c'était pas no aussi, enfin, c'était pas non plus totalement inintéressant. Euh, euh, c'était, euh, enfin bon, voilà. Globalement, euh, globalement, euh, c'est, j'ai pas rien compris non plus. Mais euh, j'ai pas accroché. Euh, voilà. Donc, pour celui-ci, si vous l'avez lu, je veux bien avoir vos avis. Je sais que des personnes, certaines personnes l'ont lu et écouté et l'ont trouvé assez intéressant niveau livre papier et avaient tendance à décrocher niveau audio. Alors, c'est peut-être aussi une histoire de vitesse, mais bon, ça, ça, ça m'intéresserait du coup d'échanger avec vous si vous en avez, si vous l'avez lu ou écouté. Donc ça, c'était côté livre audio et côté livre papier. J'ai donc terminé Glacé de Bernard Minier. Je vous en parlais dans mon précédent épisode, dont je suis très 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 contente d'avoir enfin... Bernard Minier, et je suis très 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 contente d'avoir accroché. Euh, je vous l'ai expliqué, euh, je... pour des raisons personnelles, j'ai je, je, très envie de rencontrer euh, Bernard Minier, et j'avais très, envi... très envie de découvrir ses livres, mais j'avais surtout très envie d'accrocher avec ses livres, j'avais envie d'aimer ses livres, et voilà, ça se commande pas, surtout moi, enfin... Euh, je... Je enfin je peux, je peux pas je peux pas mentir quoi je peux pas me faire croire que j'aime bien un livre alors que que j'accroche pas quoi. Et euh, et comme je suis assez pénible et exigeante et comme là je partais euh, euh, j'avais j'avais tellement euh, envie d'aimer ce livre que je suis partie perdante en me disant allez, euh, j'espère que l'histoire me démontrera le contraire et me démontrera que 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 s'il y a de quoi aimer l'histoire enfin. Bon. Bref, ça c'est c'est mon fonctionnement qui est un peu bizarre, qui est un peu particulier mais je suis comme ça. Donc euh, donc voilà, si je vous dis que j'ai aimé, c'est vraiment que j'ai aimé quoi. Enfin, c'est pas parce que je voulais aimer que j'ai aimé, non. Non, 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 c'est j'ai aimé malgré le fait que je voulais à tout prix l'aimer. <laughs> et et l'histoire, elle est vraiment prenante. Euh, donc, bon, je vais reprendre deux, trois choses que je vous ai déjà dites. Euh, on est sur un bon rythme, mais on n'est pas sur un rythme haletant non plus. Enfin, euh, voilà, j'ai pas... Euh, J'étais pas comme ça en train de me dire <laughs> Voilà, non. Non, c'était quand même pas à ce point-là. Mais le rythme est bon, vraiment bon, et pour un pavé comme ça, il y en a vraiment besoin. 725 pages, ça se lit vraiment globalement bien. Euh, mais j'ai pas eu la même chose que euh, avec Tes yeux de Cédric Sir que j'ai lu il y a pas très longtemps, où là vraiment, euh, je, je l'ai lu beaucoup plus vite parce qu'on était sur un page turner encore plus important. Mais c'est pas là où j'ai trouvé l'intérêt en fait. On est sur un thriller, je... enfin euh, oui. Il y a, est-ce qu'il y a mes codes habituels de thriller? Non <laughs> Non, parce que justement, on n'est pas sur euh, des pages qui se tournent comme ça, on n'est pas sur des chapitres courts, euh, etc. Mais euh, les chapitres courts, il va détourner un peu ça, parce qu'en fait, dans le livre, pff, je ne sais plus combien il y a de chapitres, sur 725 pages, il euh, y a... Bon, là, je tombe sur l'épilogue, donc ça ne compte pas, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de, de chapitres... 27 chapitres, 27 chapitres et un épilogue. Voilà. Donc, euh, donc du coup, euh, ça représente euh, quand même euh, euh, des chapitres euh, vraiment longs. Mais il, euh, il arrive quand même à couper ses chapitres en petits bouts en faisant euh, des paragraphes. Alors, pas si long que ça, mais, euh, mais ce que j'appelle des paragraphes, c'est vraiment quand on a comme ça le, le, une ligne qui est. Qui, 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 on fait plus qu'un retour à la ligne, quoi. On laisse un petit espace. Et puis, euh, quand on change de paragraphe, souvent, on change de personnage. Les, les chapitres sont assez longs, mais sont inégaux. Les paragraphes sont plus courts. On est sur un découpage euh, à l'intérieur d'un chapitre. Mais ces paragraphes sont inégaux aussi. <laughs> donc, euh, donc voilà. Je ne peux pas vous dire que, que ce sont des paragraphes courts. Moi, ça m'arrivait de me dire, « Bon, allez, je, je me lis encore un paragraphe. » Ah bah oui, mais ça se trouve, je tombe sur un paragraphe qui fait une page, ou ça se trouve, je tombe sur un paragraphe qui en fait 5, 6, 7. Ouais, bah c'est pas pareil. Hein <laughs> donc, euh, donc ça, c'est un peu pour, pour la construction. Mais euh, du coup, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la... Comment dire L'ambiance, en fait. Euh, même si on n'était pas sur un rythme où j'avais pas l'impression de courir avec les personnages, on était sur une ambiance, une ambiance. Et, enfin, il a réussi à nous transmettre euh, ce, cette ambiance un peu euh, inquiétante. Euh, euh, on voulait savoir ce qui, a, ce qui allait se passer. Et, et voilà, le, le, le commandant Servaze, euh, qui est un peu le, le personnage principal, en fait, il, il est décrit extrêmement bien. Et il nous paraît humain, il nous paraît réel. Et en fait, c'est c'est quelqu'un qui n'arrive pas en disant oh, « je suis le commandant, je suis le plus fort. Non, il a il a vraiment des 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 sentiments. Il a des questions. Euh, il se remet en question. Euh, il doute. Il s'inquiète. Euh, euh, il, il dit lui-même que c'est pas un extrême grand sportif. Enfin, voilà, il y a un côté. Euh euh, on a, enfin, euh, je sais pas comment dire. C'est, euh, ça me fait, ça fait penser un peu à, à un côté euh, les, les nouveaux managers, quoi. Les managers 2022. Un manager, c'est plus quelqu'un qui sait tout, mais euh, c'est quelqu'un d'humain en fait. Et après, qui a des, des qualités par ailleurs. Mais voilà, il a un manager, il sait pas tout, etc. Et il admet en fait ça. Et je, je trouve que qu'on Enfin, que le, le, le commandant est vraiment décrit d'une façon tellement tellement humaine et du coup on suit aussi, aussi son cheminement. Et je suis pas forcément habituée. Euh, alors on est sur un thriller, on n'est pas sur un roman policier, mais euh, je pense quand même aux Agatha Christie où, voilà, on nous jette les suspects, un nombreux. Définie de suspect, de toute façon, ça se passe souvent en huis clos. Et, euh, et du coup, ils vont être interrogés un à un et tout. Et puis, on voit Poirot qui va suivre son enquête et qui va les interroger et tout. Et de temps en temps, il va lâcher une phrase et on va se dire tiens, il nous donne peut-être un indice, Poirot, tiens, il Alors, On se doute qu'il est sur une piste, mais on sait jamais laquelle, en fait. Et à la fin, il y a le dénouement et on découvre tout. Et là, en fait, c'est pas ça. Euh, le commandant Servaz euh, il, euh, il va s'interroger sur certaines personnes, il va douter et on va suivre en fait son enquête, on va suivre son raisonnement et donc des fois il va, il va se tromper dans son raisonnement parce qu'il lui manquait des éléments etc il va parfois faire trop confiance et parfois pas assez et voilà parce que parce qu'il sait pas après je vous ai dit dans le précédent épisode que euh, mon avis dépendrait du dénouement du coup je veux pas vous dire que j'ai pensé du, du dénouement, pour pour pas spoiler non plus. En tout cas, il y a des ouvertures à la fin du livre, à la fin de l'histoire. Il y a des ouvertures qui, euh, qui du coup, nous donnent envie de lire le suivant. Euh, on voit qu'il y aura un bon fil rouge avec, euh, avec le commandant Servaz, avec son équipe. Il y aura vraiment un bon fil rouge. Et et puis bah je, voilà je veux le suivre en fait je veux je, je veux savoir euh, ce qui ce qui va se passer par la suite euh euh, voilà, donc euh, une, une très bonne découverte et, euh, et c'est vraiment chouette. Je suis, je suis contente, euh, très contente d'avoir euh, découvert euh, enfin Bernard Minier, comme je vous dis, et puis euh, d'avoir euh, accroché à, à sa plume, euh, phrase très bien écrite. Euh, je le souligne parce que euh, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher en premier dans, dans un roman policier ou un thriller. Euh, et, et là, vraiment, il y a, y a des, enfin, j'ai ai beaucoup aimé la construction de pas mal de phrases. Euh, et et c'était agréable, ça donne un petit plus. Quoi. Voilà, je passe rapidement au livre en cours. Euh, alors, j'ai beaucoup de choses en ce moment, <laughs> beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Euh, je suis désolée pour le chien qui aboie, c'est juste insupportable. Euh, j'ai beaucoup de choses en ce moment et euh, je j'ai pas trop le temps de lire. Voilà. J'ai des moments de lecture habituels et ces moments de lecture habituels ont, sont pris par euh, d'autres choses. Donc, voilà, euh, ouais, j'ai un peu perturbé dans, dans mon planning de lecture. En plus, j'ai abandonné un livre, enfin bon, voilà. Et euh, j'ai commencé un livre qui me donnait vraiment envie, où je me suis dit, je peux me permettre de le commencer, de le reprendre et tout, et de m'interrompre, et euh, voilà. <laughs> j'ai quand même sorti Blackwater 2, euh, donc la digue, de, toujours de Michael McDowell, toujours euh, édité chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, et toujours avec des couvertures magnifiques Donc j'en suis vraiment au tout début, je l'ai commencé avant hier soir, mais je l'ai commencé juste avant de dormir. Et puis hier, ben, j'avais euh, la rentrée littéraire, et voilà, ça, ça c'est euh, un petit bout, 24 pages lues, enfin 24 pages lues. Je suis à la page 24, ce qui représente un petit bout à ma pause d'hier midi, parce que je lis, je lis 10 pages, et un petit bout avant de me coucher mardi soir, euh, mercredi soir, il fallait vraiment que je me couche tout parce que ça pique le réveil à 5h30, je ne m'y fais toujours pas. Voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au début du livre, il y a un résumé. Une page. Voilà, ça suffit. Euh, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Je vous en ai parlé. Euh, pff, je sais plus. Il y a il y a dix jours. Euh, bon, non, j'ai dû le lire il y a deux il y a deux semaines. Je, euh, une ou deux. Non. Oh, je sais plus. Bon, bref, l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Mais comme j'ai lu d'autres choses entre temps et tout, euh, bon, c'est pratique d'avoir le résumé euh, sous les yeux et c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Du coup, on se replonge très vite dans l'histoire. Euh, comme à la base, c'était un, un très gros livre qui a été euh, là découpé en, en six petits livres, si je ne me trompe pas. Euh, je me demandais si ce n'était pas... Enfin, euh, je ne vais pas dire indispensable de faire un résumé. Mais bon, voilà mes réflexions. Je n'ai pas encore été regardée. Il y a certainement des réponses à, sur ça euh, euh, sur Internet, etc., etc. Mais en fait, ma réflexion, c'est euh, si on a un très gros livre. Qu'on découpe comme ça en six parties. Euh, normalement, le lecteur, il se lit le livre d'une traite. Et là, si on découpe en six parties et qu'on publie chaque partie toutes les deux semaines, eh ben, du coup, euh, dans l'histoire, c'était pas prévu que euh, du chapitre temps au chapitre temps, il y ait euh, un temps qui, s deux semaines qui s'écoule en fait. Donc, euh, c'est peut-être nécessaire de faire un résumé parce qu'à la base, c'est pas des tomes. Euh, écrit séparément, c'est un grand livre, et donc euh, d'habitude quand on lit des tomes séparément, il y a toujours, euh, de façon plus ou moins subtile, un petit rappel de l'histoire, en disant « Ouh, machin, c'est euh, machin, enfin, euh, j'en sais rien, euh, euh, Marie, c'est euh, la domestique de la famille », enfin, euh, si on est dans des euh, livres style d'Anton Abbé, il euh, y a peut-être des, des rappels faits discrètement, je pense euh, à « La Villa aux étoffes », où c'est un peu comme ça c'est bien des tomes distincts, mais c'est assez subtil et, et c'est bien. Ça nous aide, ça nous guide, mais c'est fait de façon euh, subtile. <laughs> Là, euh, c'est peut-être pas possible de le faire puisque c'est pas écrit euh, à la base pour euh, que ce soit publié euh, en tomes séparés. Donc, c'était peut-être utile, vraiment, de, de, et presque indispensable, de faire des résumés. Je sais pas. Bon, si vous vous y connaissez beaucoup plus que moi dans Blackwater, n'hésitez pas à me dire euh, à me dire ce que vous en pensez. Donc, euh, pour l'instant. Euh, en, en un chapitre, euh, bon, écoutez, je ne change pas d'avis, je retrouve l'écriture avec beaucoup de plaisir. Pour les mêmes raisons, en fait, que la dernière fois, je vous avais parlé euh, de, vraiment pour moi d'un côté très desperate, Housewives, un côté un peu euh, euh, histoire euh, enfantine et tout, et puis en fait, derrière, ce euh, c'est pas, pas si enfantin que ça, quoi. Il y a vraiment des choses qui marquent, il y a quand même, euh, et on est tout à fait dans ça, en fait. On est vraiment euh, tout à fait dans ça. Euh, voilà. Bon, je, je forcément, comme d'habitude, je ne vais pas retrouver de passage pour pouvoir vous en parler davantage. Mais voilà, donc euh, très contente d'avoir de, de, pu sortir ce tome 2 <laughs> juste là. Et puis je vais lire en lecture commune avec Florence de Flo and Books, Blizzard de Marie Vintras, qu'on a fait acheter et fait dédicacer. Ah euh, Au okay du Polar, c'était notre euh, dernier achat achat de dernière minute. On l'avait vu en conférence, euh, ça a intrigué assez. Euh, C'est un livre court et, et du coup, euh, voilà, 100, 180, 180 pages. C'est un livre qui euh, voilà, va se lire uh, d'une traite euh, et, euh, et, et vraiment, l'autrice paraissait assez euh, sympathique et, et j'ai beaucoup aimé comment elle avait décrit son livre. Donc, euh, donc voilà, je vais, je vais le découvrir avec, euh, avec beaucoup de plaisir. J'ai vraiment hâte de, de le lire. Mais pour ça, j'ai vraiment, vraiment envie de le lire d'une traite. Donc euh, donc le seul moment où je pourrais le faire, ce sera dimanche. Et, et pour le savourer et, et pas m'interrompre dans, dans cette lecture. Bon, si je vous lis rapidement la quatrième de couverture, Le bizarre ferrage en Alaska, au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aurait fallu que quelques secondes le temps de refaire ses lacets pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perd de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la montre s'engage alors, où la destinée de chacun face aux éléments se dévoile. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vintras d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme. Maintenant que j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai encore plus envie de le découvrir. Euh, voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je vous ai pas parlé de beaucoup de livres lus, contrairement aux épisodes précédents et contrairement sûrement aux épisodes euh, suivants. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Moi, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Et puis, euh, à très vite. Une bonne lecture d'ici là.